nous sacrifions ce que nous sommes allés faire. Mais que moi j'ai fait une vidéo, il y a d'accord mal, et pas mon ennemi. Remercions Dieu que les choses se sont passées ainsi. Merci à Dieu pour tout, parce que il fallait ça. Parce que nous sommes sur la dernière ligne droite pour que les Togolais retrouvent leur liberté. Parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que le combat que mène le CSC, avant que nous commencions ce combat, nous nous sommes agenouillés à un Dieu et nous avons dit, prends le devant, nous sommes derrière toi. Et le Seigneur a pris le devant. Tout ce qu'ils feront maintenant se retournera contre eux. Même s'ils cherchent aujourd'hui à trouver tous les moyens pour frauder les élections, pour tricher, pour faire quoi que ce soit, ça se retournera contre eux. Parce que ce n'est plus nous qui combattons, c'est l'Esprit de Dieu qui combat à notre place. Soyez rassurés que nous sommes sur la dernière ligne droite. Et ces élections de 2013 constituent l'avant-goût de ce qui va se passer en 2015. C'est pourquoi nous demandons à tous les Togolais, du sud jusqu'au nord, de ne pas s'amuser avec ces élections-ci. Parce que c'est le combat ultime. Et je suis sûr, comme ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ce combat, nous avons déjà la victoire. Parce que c'est un combat entre le bien et le mal. C'est un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat entre la vérité et le mensonge. Et c'est un combat entre Dieu et Satan. Le vainqueur est connu, il s'appelle Dieu Jéhovah. Soyez donc rassurés, ce n'est plus nous qui faisons ce combat. Dieu a dit, à partir de maintenant, je prends le devant, restez derrière moi. C'est ça, tout ce que je voudrais vous dire. Soyez rassurés et faisons en sorte que cette unité qui fait peur à ce pouvoir reste jusqu'à la victoire finale. Et je suis sûr qu'ils ont tout fait pour nous détruire, mais nous ne serons pas détruits. Donc, je vous en prie, la campagne que nous démarrons aujourd'hui, après 6 mois de souffrance de certains d'entre vous, je dis 6 mois, jour pour jour, et nous démarrons cette campagne aujourd'hui, c'est un signe significatif. Et donc, chacun d'entre nous va constituer un groupe de campagne. C'est-à-dire, n'attendez plus les responsables de CST, de l'ANC, de OBU, de ADI ou de PSR avant de commencer la campagne. Dans chaque milieu où vous vous trouvez, faites la campagne parce que c'est la délivrance du Togo qui nous concerne, nous tous. Je ne vais plus être long, j'en ai fini. Je voudrais encore une fois remercier tout le monde pour vos prières, tout ce que vous avez fait pour que nous retrouvions notre liberté. Nous sommes parmi vous aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler tout ce qui s'est passé parce que on nous l'a interdit, mais un jour, la vérité se saura. Merci beaucoup.